Salut Bob. Ah, salut Romuald. Qu'est-ce que tu fais tout seul? T'as une triste mine. Oh, toi, t'as pas dû faire tes mises à jour. Ou pire, t'as chopé un virus. Mais non, c'est pas ça. Bon, regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi ce bidule? Ah, et ça sert à quoi? Ah, attends, je sais. Ça se met sur la tête. Ben, j'espère que ça sert pas à ça, parce que t'as vraiment l'air ridicule. C'est toi qui es ridicule. C'est un livre, et un livre, ça doit être lu. Et tu sais ce que j'ai appris dedans? J'ai appris d'où on venait. D'où on venait vraiment. On vient de la main d'une espèce ancienne s'appelant humain. Tiens, regarde, j'ai même trouvé une photo. Mais attends, du coup, ils sont où maintenant, les humains? Ben, d'après ce que j'ai lu, et ce que j'en ai déduit, ils nous ont créés et nous ont donné une intelligence supérieure à eux. Ils étaient tellement omnibilés par nous et la technologie qu'ils ont détruit leur propre espèce et leur planète. Mais attends, ils ont pas détruit leur planète vu qu'on est encore là, nous. Certes, mais avant, il y avait de la verdure partout, et même des petits animaux qu'on appelle oiseaux ou écureuils. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'était vachement plus joli avant. On fait ça pour que toute la planète soit connectée, comme ils disaient. Ils devaient installer du béton, de l'acier et des fils partout. Et pour cela, ils ont anéanti les ressources de la planète et tué toute la faune et la flore. Petit peu par petit peu. Et sans s'en rendre compte, ils s'autodétruisaient. Ah, dis donc, pour nous installer un cerveau supérieur au leur, ça a pas dû être compliqué. Faut vraiment avoir des bugs dans la cervelle pour faire ça. Ouais, tu l'as dit. Certes, mais avant, il y avait de la verdure qui poussait partout. Et regarde, même des petits êtres comme celle-ci. Bon, c'est vrai, t'as raison. On a peut-être évité le pire. Ah ben voilà, je préfère te voir comme ça. Allez, viens, j'ai réussi à choper la dernière vidéo de Robossy Freddy. On va se faire une méga soirée. Allez, viens. Ouais, il a raison. Ils avaient qu'à être moins bêtes. Hé, attends-moi.